J'ai longtemps attendu cette journée. Les présages nous indiquent que cette bataille restera dans les mémoires pendant 100 ans. On racontera notre histoire aux enfants autour du feu, et les guerriers invoqueront nos noms durant les siècles à venir. Salut tout le monde, on se retrouve pour ce dernier épisode sur la campagne La colère de Toutatis. Donc enfin le dernier épisode, donc c'est le 53e si je me trompe pas. Et on arrive en termes de ma campagne qui a été très 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 longue. Je pensais pas faire autant d'épisodes. Mais bon, c'est ainsi. Alors donc dans l'épisode précédent, j'ai créé la guerre aux Zetan. Donc c'était, ils ont créé la confédération Celtibère. Donc heureusement pour moi, ils avaient quand même beaucoup d'armées, mais Carthage a pris Yol. Et moi derrière j'en ai profité pour prendre Ars. Donc j'ai fait quand même une grosse bataille, j'aurais fait un blocus, j'ai envoyé mon armée dessus, j'ai envoyé les... j'arrive pas à le prendre. Tous guerriers. Hop, voilà. J'ai pris les lumières de Belenos et bon, ils ont quand même un peu morflé, mais je les ai réussi à les avoir. Donc maintenant le risque, c'est quand même, ils ont des flottes qui se baladent. C'est... donc excusez-moi, oui, alors je disais, déjà on va grand chef, commandant d'infanterie, ça c'est quoi? Ok, ça c'est quoi? Plus 10, ok, on va prendre, je vais prendre ceci, grand chef. Et donc le risque que c'est ces armées-là, vu qu'elles sont encore en entière, attaquent mes villes. Donc pour l'instant j'ai mis des troupes dans mes principaux ports. Mais il y a toujours Carlis où j'ai peur qu'ils attaquent, même si c'est quand même une grosse grosse garnison. Donc voilà, j'ai l'Espagne en entier, c'était l'un de mes derniers objectifs. Maintenant, je vais essayer de pacifier tout ça, puisque je suis en paix avec les pays, genre les Guétules, je suis en paix. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à pacifier et je pense que ça va quand même le devenir. J'ai, je reçois 12 938 deniers par tour, j'en ai 20 000 dans mes coffres. Tellement d'argent que je sais pas quoi en faire. Tiens, je vais améliorer ceci. Là ça me demande 8 de nourriture et moins 4 en ordre. Je vais améliorer cela. Et ouais, je pense que j'aurai assez de nourriture. Donc je vais regarder quand même un peu ce qui me reste. Là c'est le dernier épisode, donc je vais quand même améliorer certains trucs. Moins 10, ouais. Ici je ne peux rien faire. Là, je suis quand même à moins 12. Ouh là là. Ils sont pas contents ici. Hein. Donc entre temps j'ai mes... Donc maintenant on va se concentrer sur les Balkans, parce que j'ai envoyé mon armée, une armée là-haut pour aller... harceler surtout les routes solants, mais aussi maintenant j'ai déclaré guerre aux Macédoniens. Donc j'ai libéré aux Roxolans les BF, une nouvelle tribu. Les Macédoniens, bah, je leur ai attaqué, j'ai libéré les Brusses. Et les Rettes ont attaqué Noreia et ils ont pris une nouvelle ville à eux maintenant. Donc maintenant d'un côté les Insubes contre-attaquent. Donc je pense que les, je sais pas, les Damaltes sont que en guerre avec les Nori. Ici je vais venir harceler cette ville pour les affaiblir. Ça c'est quoi? C'est une armée ou une flotte? C'est une flotte, donc on risque rien. Et après avec mon armée, je vais descendre, aller attaquer Deminium. Ou non, je vais plutôt aller attaquer Sigidum, parce qu'il n'y a personne en fait. Donc en fait je vais en profiter. Les Nori, ils sont dans quel... Les Nori, voilà, ils ont repris du poil de la bête. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, je fais du commerce maintenant avec les Britannia. Parce que je vois pas l'intérêt d'être ennemi avec eux. Voilà, je fais du commerce avec tout le monde. La City Royale, là-haut, ils sont quand même assez dangereux. Et pire, qui se baladent, ils ont plus de...
Le problème c'est qu'ils n'ont plus de ville, donc c'est assez compliqué puisque les Athéniens ont pris leur dernière ville. Et je vais voir si j'ai pas l'argent à dépenser. Je suis en train de créer aussi une armée une armée composée que de cavalerie. On aurait les dieux et vos ancêtres. Pour le lol. Et en fait pour le lol, mais en fait ça marche très très bien. Ici c'est Burdigala, je vais laisser ça comme ceci. Je pense que je vais retirer ça ici. Munitions, j'ai quand même envie de le laisser. Binbracht. Je suis à plus 3, ça remonte doucement, heureusement. Moins 10 de nourriture, j'en suis à 0. Ok. Ici ils sont heureux comme des oies. Donc je vais augmenter ça, ça va augmenter la nourriture. Hop là. Et je vais. Voilà, c'est le puits. C'est vrai que je peux le monter maintenant le puits. Ici je vais bientôt me taper une rébellion. Problématique. Je suis en train de reconvertir ça, je vais faire un temple. Parce que ça devient. Je suis quand même. J'ai que moins 3 quoi. Donc un temple suffira pour redonner du bonheur. Et ici je suis à moins 15, je vais aussi me taper bientôt une rébellion. Il faut que je change ça. Voilà. Moins 10 d'ordre public. Et bon, on va passer de tour. Alors, il faut que encore je passe des mecs en... Voilà, toi. Donc voilà, c'est le dernier épisode. J'espère que cette série, même qu'il soit longue, vous a plu. Moi j'ai adoré cette série. Voilà, pour vous, pour ceux qui ont regardé la série en entière, franchement du début à la fin et même ce dernier épisode, moi je vous tire mon chapeau parce que il y en a très très peu qui le feraient, parce que les gens d'habitude ils veulent voilà, ils se lassent de choses assez vite. Il y en a beaucoup qui aiment pas les épisodes super longs. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me gêne parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je regarde, donc les épisodes des fois ils pourraient durer une heure et demie, je m'en fiche, je les regarde, même si c'est. Même si je les regarde en plusieurs fois, tant pis, hein, on met un truc en partagé et on regarde ça en plusieurs fois. La guerre blesse. Non, je ne veux pas un traité de paix. Et des fois les séries sont très longues, donc moi ça moi je les regarde les séries très 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 longues, qui peuvent comporter beaucoup d'épisodes. Ça cela ne pas. Fait plaisir ni aux là, hommes ni aux quand dieux. Même 53. J'en attendais davantage. Bon, moi, ça de la doit, part ça doit plutôt tourner autour de 55 parce que j'ai quand même des épisodes en plusieurs parties. Et je trouve ça très très. Bah voilà, moi ça me fait beaucoup de plaisir à jouer les Avernes. C'est vraiment un mes peuples préférés. Les Gaulois, de toute façon, hein, c'est sont nos ancêtres. Et bah, je pense prochaine campagne sur la. Sur Rome 2 Total War, je pense, au début je pensais prendre le choix peuple latin ou hellénique, parce que ça changerait, voilà, nouvelles armées et tout ça, mais le souci c'est que ce sont des peuplades que tout le monde fait, bien sûr elles sont très très fortes et tout, et voilà, moi c'est, bon, j'ai fait certaines de ces peuplades hors caméra, et vu qu'il y a une dernière DLC qui a rajouté des 3 nouveaux peuples dans les Balkans justement, qui sont des peuples de pilleurs et autres, et ben je vais prendre un de ces peuples là et je vais jouer sur la carte des du pillage en fait. Je vais aller piller, en plus ils auront des flottes grecques, enfin très similaires aux latins, aux helléniques, donc ça sera pas des bateaux celtes. Donc voilà, je vais jouer un peu plus sur la mer avec cette faction. Contrairement aux Avernes, où j'ai joué surtout sur le côté terrestre. Et d'un côté, voilà, je vais jouer là-dessus. Et surtout que je veux jouer sur l'esclavage. Donc à chaque fois j'aurai une bataille où je prendrai une ville, voilà, je vais jouer, je vais prendre des esclaves. Tout le temps. Je vais tester, tant pis si je capote, je me tape plein de guerres civiles mécontentement. Je vais tester, je vais faire des marchés à l'esclave et tout ça, et on verra ce que ça donne, puisque généralement, forcément, personne ne prend jamais d'esclaves et tout ça, parce que ça donne du mécontentement. Mais bon, vu que c'est dans le jeu, ça doit être tout à fait jouable. Et donc je testerai ceci, on verra. Les dieux ont décrété que nous devions marcher seuls. L'alliance. C'est pas bon comme signe.
Lui, c'est ce héros, faut que je me le fasse. Attention. Attention. Ils peuvent aller à... Oh là là. Oh là là. Faut que je me méfie. Il faut que je me méfie d'eux. Je vais profiter pour boire un petit coup. Parce que boire, ça mérite la gorge. Enfin, boire, ça mérite la gorge. Non, parler, ça mérite la gorge. Parler beaucoup. Alors... C'est long maintenant, surtout que j'ai libéré pas mal de peuplades et les tours sont beaucoup plus longs. Et bon, de toute façon c'est la fin là, donc on va pas se passer grand chose, hein, peut-être qu'on va faire des batailles. Et ce sera intéressant que je batte encore quelques... je libère quelques villes de Macédoine. C'est pas une ville qu'on pourra... Enfin c'est pas... Là, je ne vais prendre aucun territoire, ce sera juste des libérations ou du pillage. Allez, on se dépêche. Alors, je sais pas pour les prochaines campagnes si je mettrai les tours en fait, parce qu'on peut, il y a une option où on peut complètement les retirer. Et peut-être que ça serait beaucoup plus intéressant parce que ça prend quand même plus, des fois quelques minutes. Oh là 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 là, les rébellions que je me tape. Bon, on peut dire, là, par contre, on peut dire que je manque pas d'argent. Ah, il m'a fait un sabotage, ce Saligo. Oh, oh, tout ce qu'il m'a saboté. Ah, l'enfoiré. Oh là là, 8 tours. L'enfoiré. Toi, tu vas mourir. Je suis le poignard, puis je vous assister. Je vais t'assassiner. Alors, ça lague un peu, je suis désolé parce que je suis en train de faire encore un rendu d'une vidéo de... Voilà, ça c'est pour que je me suis vengé. Je suis en train de faire le rendu de... d'un autre épisode de Total War. Parce que là, en ce moment, je tourne tout en même temps, donc... ça c'est une flotte. Ouais, bah si vous voulez m'attaquer, allez-y, hein, disons, hein. Et eux, ça c'est quoi? C'est une armée, et ça c'est une... Une armée. Ah ouais, d'accord, ça peut être dangereux. Ici, j'ai ça. Je vais peut-être envoyer cette flotte. Elle est en réparation. Ah non, on est en train de se faire... Ah ouais, c'est un peu trop loin. Bon, alors, j'ai rébellion. Une rébellion à Vesantio. Youhou ! Super, je suis content. Oh bah, j'ai une armée à côté. Bon, messieurs. Au combat ! C'est une petite armée quand même que j'ai, hein. Bon, on va tester, hein. Oh, ça va. Ils ont rien en face. Bon. On va faire ça en mode agressive. Ah, ça lag pas mal, hein. Je suis désolé pour ce dernier épisode. Mais bon, j'ai pas énormément de temps pour moi, donc... j'essaie quand même de vous mettre pas mal de vidéos parce que ça m'embête un peu que vous ayez rien. Mais voilà, je pense que c'est un peu que du Total War. Voilà, mes autres séries, je les ai mis un peu en... Enfin, j'essaye de les faire, mais c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à faire, mais c'est le montage qui est compliqué à faire. Et ça me prend du temps. Alors... On va prendre ça, on va retourner là-bas. Mettez en place la surveillance. Ah merde. Et on va prendre commandant. Ouais, ils sont toujours en moins 10. Population rassurée. Rapport de construction. Alors, Ebora, j'ai fait mes temples. Ça c'est cool, ils sont à plus 7, ils sont contents. Ah, Olisipo, j'ai fait mon port de pêche, d'accord. Rapport. Cible de guerre validée, forcément, la ville a été prise. Ici j'ai eu mon raid. Faction des... Ah merde, Épire a été détruite. Putain, chier. J'ai une rébellion imminente là-haut.
J'ai mon bruit qui a gagné un niveau. Alors, on va prendre un truc. Alors, ça, c'est quoi? Administration. On va prendre ceci. Ennemi assassiné et rang supérieur. Ennemi en retraite. Là-haut, dans les Balkans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ils ont l'air en mauvaise posture, quand même. Donc, on va faire ceci. Ouf, guerrier. Oh là là, je suis encore trop loin pour attaquer cette ville. Votre prochain ordre. Alors, eux sont en train de toujours morfler, c'est ça qui est drôle. Je pense que les insubs veulent les attaquer, c'est bizarre. Je vais faire... Donc, il faudrait faire... J'aimerais bien que les boyens aillent attaquer ça, là. Ça me gave. Allez m'attaquer cette ville, moi je m'occupe du reste. Alors... Je ne suis personne. Non, je peux pas attaquer cette... Impossible. Il se passe quoi dans cette ville là? Oh. Ouh là 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 là. Tous les hommes doivent servir. Bon, je vais empoisonner la garnison. Je me réjouis. Toutes les villes sont pas faites. Ils pourront pas se refaire. Ils ont, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas d'argent pour pouvoir transformer la ville. Vos ordres à exécution. Deux balises grecques, ah, tu m'étonnes. Ah, c'est quoi, c'est quoi? C'est des balises grecques, des scorpions grecs. Ah, c'est drôle ça. Qu'est-ce qui se passe à Syracuse là? Ah, c'est libanais. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent, moi? Vous me direz, je pourrais faire... disons que je pourrais peut-être me trouver des alliés. Alors... Pourquoi t'as... D'accord. On est pas... On est alliés tous les deux. Toi et moi, on s'entend pas trop, mais ça va revenir. On est alliés défensifs. Moi, j'aimerais bien être allié défensif avec toi, si ça te gêne pas. Bienvenue. Nous parlerons, puis festoirons, jusqu'à ce que nos tripes grognent et que nos fesses nous brûlent. Que... Je ne sais pas quoi en faire. Non. Non. Putain, la vache, c'est qu'il m'aime pas vraiment. Hein. Ah ouais, quand même. Et pourtant, on s'entend très très bien. C'est marrant, ça. Ils veulent pas du tout. Hein. Par contre, je leur donne ça. Tu... Oh, oui, on veut bien. Donnez-nous l'argent. On est en merde, dans la merde. Les moyens, on s'entend super bien ensemble. Vous nous honorez. Il y a assez de nourriture pour les deux armées qui nous attendent. Sais... En fait, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de me foutre dans la merde, économiquement parlant. Parce que forcément, je n'aurai pas d'armée. Pour... parce qu'eux ont des armées, mais moi je suis un maximum d'armées, donc toutes les armées là vont disparaître. Et en fait, ici, j'ai les ravis, les rôdes qui sont ennemis avec moi, donc ils pourraient en profiter pour attaquer. Donc je préfère pas, je vais les laisser alliés. Voilà, ils font leur petit bonhomme de chemin. On est alliés défensifs avec eux. Pergamon, on s'entend très très bien. Ok, Birtini, on s'entend pas trop. On fait du commerce ensemble. Ce que je pourrais être... Ce que ça serait intéressant, ce serait de... Alors, dites ce que vous avez ton à dire en défensif avec la Macédoine. D'accord. Et moi je te... Attends, je te paye. Pourquoi tu... J'ai dit ton alliance défensive avec la Macédoine. Ok. En échange, je t'offre de l'argent. Genre, je sais pas, 6000. Non. Juste pour voir. Putain, 10 000, ils veulent pas. Et non plus. Ah ouais, d'accord, ils sont très très alliés avec eux, donc. Est-ce que tu peux rompre peut-être ton... Accord commercial avec
la Macédoine. Et je t'offre de l'argent mais échange. Ils veulent pas, ils sont super potes avec. Ok, bon. C'est bien compliqué. Eux, on s'entend pas trop. Pourquoi on s'entend pas trop? Aversion culturelle, moins 5, 20 neutres. Soyez le bienvenu. Puisse Athéna nous rendre muets si nous osons mentir durant nos délibérations. Mmh. Tu veux commerce avec Athènes? Oui, forcément. Alors, je veux bien qu'on soit allié défensive et je te propose de l'argent. Allez. Ah ouais, d'accord. Putain, la vache, les mecs. Avec nos sauces. On avait salutations, mais notre peuple est civilisé. Ils l'ont annulé. Vous pouvez donc parler autant qu'il vous plaira et nous vous donnerons une réponse honnête. Ouais, pourtant, on s'aime bien. Et eux sont en guerre contre qui? Les Guétules? Ils sont en guerre contre les Boyens, les Carthaginois, ok bon. Eux on est alliés avec eux. Eux on est alliés. Est-ce qu'on peut pas être vraiment... Soyez le bienvenu, noble ami. Partageons le pain, la bière, avant que les mots ne passent nos lèvres. Mais j'aimerais bien qu'on soit vraiment alliés. Putain, ils sont durs en affaires, hein. Moi je vais passer de tour sinon. Bon allez hop, on passe de tour. Ah, j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Prochain tour, je vais me taper des rébellions. Ça va être magnifique. Ah, merci Carthage. Ils ont détruit une de leurs armées. C'était une armée. Maintenant, je pense qu'ils vont laisser faire les autres. C'est bien ça. Ce qui reste, ce sont des flottes. Et ils ont une flotte et une armée encore. Mais elles commencent à subir leur... Fallait pas m'attaquer la première fois. Ça, c'était leur erreur fatale. Ils m'ont attaqué. Merde. Ils m'ont attaqué et... bah... je me suis vengé. Les mecs, ils m'ont assiégé. Ils ont voulu m'assiéger Terraco. Et le plus important, c'est qu'on a repoussé les frontières des Macédoniens. Parce qu'ils commençaient à vraiment se rapprocher de mes frontières. Alors, on en est où, Roxelan et tout ça, là? J'aimerais bien que les Boyens ils prennent la dernière possession de la City Royale. Eux sont déjà en guerre, ils sont en guerre contre la Confédération germanique, les City Royales. Ils sont un peu pris entre deux feux. Mais ils arrivent pas à se prendre des territoires, ça qui est drôle. Ils font des batailles navales, mais... Ah, lui il s'en va. Et lui, barré. Ils savent pas quoi faire, ça c'est cool. Ils
c'est pareil, les Gétules, ils sont en guerre contre mes autres alliés, mais bon, mes alliés, je sais pas ce qu'ils foutent pour prendre leur ville. Hein. Allez, c'est bon. Bon, va falloir que je m'occupe des rébellions, parce que là, je vais me taper deux rébellions, je crois, un truc comme ça. Super. Wouhou. Notre agent a été découvert. Construction terminée. Oui. Alors, j'ai ma ferme là-bas. Plus 8, bon c'est bon, je suis en nourriture, je suis en positif, c'est très très bien. À Fleboom, j'ai une rébellion sur les bras. Ok, je vais envoyer cette armée là pour la tribu. C'est vrai que je pourrais laisser la rébellion sur cette cité, comme ça ça ferait baisser mon mécontentement. Ah bah comme ça ça va le baisser d'un tour déjà. Je serai à 60, c'est cool. Sabotage militaire, intercepter les ordres. What? Les compagnons d'Héraclès, cette ville elle est dans quel état? Pff, elle a morflé hein. Ah ouais quand même, toute leur armée, ouais ça va être chaud pour ma gueule quoi. Ah le souci c'est que je peux pas passer par là. Ah putain, je suis obligé de faire à chaque fois le tour. Ou alors je peux passer peut-être par là, non? Plus vite, bande de larves. Je vais essayer de passer par là. N'y a-t-il rien d'autre? On est en quelle saison? Je ne sais pas en quelle saison on est là. Bah si, attendez. On est au printemps. Ah bah c'est bon là. La colle est notre mère à tous. La colle est notre mère à tous. On se lance. Ah je peux pas passer par ici. Ouh, ça va être chiant ça hein. 31 000. C'est normal. C'est normal. Ah oui, c'est, j'ai oublié cette armée. La colle. Je vais la ramener ici. Je vais en faire un peu de cavalerie. J'ai tellement d'argent que je peux me permettre de faire encore de la cavalerie dans cette armée. Par contre... Ah merde. Moi je vais faire ça au prochain tour. Dommage, c'est une armée qui... dommage que c'est une armée qui va pas servir. Et c'est dommage. Par contre, il n'y avait pas un truc que j'avais... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc là on va faire un temple. Ah mais quand on... Ah ouais d'accord, j'ai retiré ça et c'est... Je suis tombé à plus 4. Maintenant c'est la nourriture qui manque. Faudrait que je fasse ceci. Ouais, on va faire ça, on va faire un temple. Je vais améliorer ça. Cette armée-là, je peux l'agrandir. Venez, battez-vous pour nous, les gars. Bon, alors, on va faire ceci. En fait, c'est histoire que je dépense un peu d'argent, parce que... Pour la tribu. Bon, je suis un peu...
Voilà. Un peu trop de. Un peu trop de sous-sous. Ici c'est bon. J'ai ma flotte ici que j'aimerais bien agrandir par contre. Alors. Non, ça c'est mes mercenaires. On va faire. Épéiste. On va faire lancier. On s'en fout. Allez hop là. Cette armée-ci. Ok, ils sont tous contents. Ils sont au maximum. Toi, je ne sais pas ce que je vais te faire. Toi non plus. Attendez-vous de moi. La Gaule est notre mère à tous. Honorez les dieux et vos ancêtres. Alors, Ibossim. Ah ouais, d'accord. Hop, ça, on va l'améliorer. Ça me prend moins 4 en nourriture ici. Ah oui, d'accord, bah ça, je peux l'améliorer. Hop là. Ça, ça me fait quoi? Du moins 4 en ordre public. On va l'améliorer. Alors, je suis à Ars, parce que j'ai deux grosses armées. Ah ouais, mais j'ai des grosses armées ici. C'est qui gère? Ce sont les griffes d'Antarta. Là, ce sont les... Les lumières de Belenos. Les lumières de Belenos vont remonter ici, je pense. Ah bah ouais, ils sont contents là. Donc ici. Ah bah ils sont contents aussi. C'est eux qui sont pas contents. Là, ils sont contents. Putain, ils sont contents partout maintenant. Là, ils sont contents. Je crois que je vais les ramener dans cette ville. Vous appelez ça une garnison? Voilà. Ça, ça montait beaucoup plus vite. Il y a que Birdie Gala qui sont pas contents. Ah, en Gaule, c'est compliqué. Très, très, très compliqué. Pour la tribu. Ouais. J'en ai que 4, 3, 4, 5. Hop là. Il n'y a pas de meilleure fin que la mort dans la bataille. Ils sont pas contents, ils sont contents nulle part. Ah oui, j'ai mon espion ici à faire bouger. Alors, c'est bien. Bon bah ça va être repris. C'est des armées, c'est grosses armées qu'ils ont. Ça va bientôt être repris. On va continuer notre empoisonnement pour les amoindrir. Voilà. Cette ville à sud, franchement. Ouais, de toute façon, on n'avait plus de force, à part la flotte. D'accord, c'est cool. Prêt pour la bataille. Comment puis-je vous aider ? Bah toi, tu vas redescendre dans le sud. Je me méfie des Gétules. Lui champion, il va rester là de toute façon. Faire sa life. Et toi, si je te fais... Est-ce que t'as des trucs... Des fois, ils ont des trucs pour améliorer le... Ah, le... Comment ça s'appelle le... Je me rappelle plus. Rien ne me rappelle plus. Putain, il peut avancer loin lui. Êtes-vous sûr? Bon bah je crois que c'est tout. Ici, ils sont contents. Moins 10 en nourriture, j'en ai 5. C'est cool. Moins 4 d'ordre public. Cette flotte-là, je pourrais peut-être l'améliorer. C'est quoi? C'est des pillards moyens dans ce projectile. Et on va faire... Rassemblement de la flotte. Voilà. Et on passe le tour. Bon, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode. Donc pas grand-chose dans cet épisode. Hein.
C'était juste pour voilà, pour terme, pour clôturer le voilà, les Détanes sont morts. C'était juste pour clôturer le cette campagne, donc la colère de Toutatis. Les Avernes se sont réveillés parce que les leurs druides leur a parlé, enfin leurs druides leur ont parlé, ils ont vu, eu des visions que Toutatis était en colère parce que voilà, les Avernes, surtout la Gaule, étaient menacées par les tribus germaniques et aussi les peuplades venant du sud, donc les Romains, les Étrusques et autres. Et il voulait que ses fils se réveillent, donc... Tous les traités donc il s'est... Il a voulu qu'ils se réunissent tous en un seul bloc pour pouvoir combattre tout ça. Et ses fils ont réussi. Ils ont réuni toute la Gaule, même si ça a été très difficile, beaucoup d'embûches. Beaucoup de rébellions, voilà, d'ennemis. Ils sont remontés jusqu'en Germanie. Ils ont, voilà, ils ont fait reculer la Confédération germanique. Les Suèves ont été exterminés. Ils se sont alliés avec les Helvètes, avec toutes les autres peuplades celtiques. Ils ont essayé de prendre pied en Britannia, mais ils ont été repoussés. Donc finalement, ils ont laissé tomber et maintenant, ils font du commerce avec eux. Et ce qui n'était pas prévu, ils sont allés en Espagne aussi. Oui, bah, ils étaient allés avec les peuples espagnols, mais les Gétules avaient envahi la moitié de l'Espagne et bah, ils devenaient une menace. Les Lusitaniens aussi devenaient menaçants. Et voilà, les Avernes ont préféré écarter cette menace, même de l'autre côté de l'océan. Donc, ils ont mis main basse sur l'Espagne. Et voilà, ils ont fortifié leurs alliances avec les Insubles, les Nori qui ont pris totalement l'Italie. Faut pas oublier que les Avernes aussi ont pillé, ont envoyé des armées en Italie, ils ont pillé Rome, ils ont pillé plein de grandes villes romaines. Et les Nori sont arrivés dans leur sillage pour s'emparer de ces territoires, vu que ça n'intéressait pas les Avernes, c'était trop loin. Nous, on a pris que la Corse et la Sardaigne. Et voilà, on a aidé les autres peuplades de... celtique. Maintenant on se retrouve dans les Balkans, c'est pareil, c'est pour faire reculer la menace de Macédoine et peut-être la menace athénienne aussi. Et on en a profité pour libérer des peuplades celtes, celles des Balkans. Ce qui va en faire une grande nation celte dans toute l'Europe. Les Celtes qui sont dominants. Avec les Nori, les Avernes, les Boyens et les Helvètes et toutes les petites factions celtiques. Ils ont aussi à avoir de puissants alliés dans le sud, les Carthaginois qu'ils ont libérés, les Marsa et Sils, si je prononce bien leur nom, voilà, qui leur ont permis de battre les Gétules. Ils ont fait beaucoup de commerce avec les ponts, ils ont ouvert de grandes routes maritimes avec les ponts, les Égyptiens, avec les Grecs. Voilà, maintenant, c'est devenu une grande puissance que tout le monde respecte. Un amiral est mort. Alors. On va prendre lui. Et j'ai aussi... C'est dans quel... Mini ardent. Ah, zut alors. Ça m'arrange pas, ces mini ardents. Alors, les Breux sont déclarés la guerre à la Macédoine. D'accord, bah je viens de les libérer. Pourquoi pas. Si d'un côté, ça leur permet d'attaquer la... Populace mécontente, je sais. Cause naturelle, amiral, général, rapport naval... Faction détruite, la Confédération Silbert. Adieu. Eh oui, j'ai détruit une autre confédération, mais voilà, il fallait pas me chercher. Quand on me cherche, on me trouve. On va faire ceci pour l'administration. Ensuite, toi, Manruides. On va faire aussi... Non, on va faire ça pour l'administration aussi. Voilà. Très utile. On va aller s'occuper de cette rébellion qui est là-haut. Là.
faut pas que je l'oublie. Voilà. Puissant guerrier de Gaulle, à la non, t'enfuis pas, ça sert à rien de t'enfuir. Tu es celle-là. Ouais, je suis à moins 60, voilà, ça a été utile d'un côté. Et au fur et à mesure des tours, l'armée de rebelles grossit, donc ça peut être très très dangereux. Ah, ils sont quand même puissants. Hein. Hop, c'était les Suèves, ça, si je me souviens bien. Non, les frissons. Voilà. 2600 contre 1000. On les a exterminés. C'est la vraie liberté. Ça leur apprendra. Pourquoi vouloir se libérer de... Je leur offre plein de choses et ils veulent se libérer de moi. Ah, les Nori ont repris, ce qui est une bonne nouvelle, ont repris Brundisium. C'est une très 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 bonne nouvelle. Donc voilà, je suis content qu'ils l'aient repris pour ce dernier épisode. Comme ça, hop, on va aller par là. J'avance vers les navires. Comme ça, ça fait voilà une toute l'Italie au sel. Comment puis-je vous aider? Alors, toi, tu vas aller là-bas. Pour servir le peuple de Gaulle. Et je vais continuer à faire. Allez, on va prendre deux cavaleries d'élite. Parce que je peux me le permettre. Et encore la cavalerie lourde, donc j'en ai 4, 5, 6. Je vais prendre après 2 éclaireurs. Ça me fait 6 éclaireurs, 6 cavaleries lourdes et 3 d'élite. Parce que bon, voilà, j'ai de l'argent. Je sais plus quoi ça va refaire. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Donc, oula, l'armée des Brusses commence à... Ouh bah oui, ils vont prendre cette ville là. Oui, bah la Dame Altesse, je m'en fous un peu là, vous savez. C'est impossible. Donc, je vais aller attaquer Diminium. Je pense que les Brusques vont l'attaquer Sagidum parce qu'il n'y a pas d'armée. Et ça va leur faire, ça va leur faire une ville en plus. Tant mieux pour eux. Hein. Tant mieux pour eux. Ah, eux, ils ont des problèmes. Je pense qu'ils ont des problèmes d'argent de tête. Les rettes. Qu'est-ce que vous avez les rettes? Peut-être de vous donner un peu vous, pas, ami, je sais pas si c'est la nourriture manque d'argent. Buvons du bon vin jusqu'à ce que nous ne puissions plus parler. Donc je vais leur donner quand même un peu, envoyer un peu d'argent. Hop, 4000. Oh yeah. Par tous les dieux, votre parole est d'or. Je alors, suis attendez. De tout cœur avec vous. Non, non, garde des cadeaux offerts aux raids, tu m'étonnes. Traité avec les bruyants, tatati, tatata. Les ponts me détestent, parce que pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Traité avec les beuses, les insubres. Eux sont en guerre contre qui? Vous savez que... Je jouerai encore plus longtemps, je suis sûr que je serai en guerre contre les Ponts, les Égyptiens, les Birtini, les Athéniens, tout le monde quoi. Ça serait assez drôle. Donc ça m'énerve, je voulais dans ce tour, ça soit que c'est le dernier tour, mais je pense qu'on va faire un tour en plus pour pouvoir aller botter le fesse aux les deux dernières villes des Macédoniens. Parce que, ils sont là. Donc on va faire encore un dernier tour pour le LOL. Et ensuite on se quittera ici. Parce que bon, ce dernier épisode, on peut gratter encore un peu. Hein, je peux gratter encore un peu. Hein. C'est sûr que je pourrais continuer, c'est sûr que j'ai pas rempli les objectifs militaires et tout ça, mais bon, les campagnes... je trouve que les campagnes, les objectifs sur Rome 2 Total War sont assez compliqués. Oh putain, il y a une armée qui vient de débarquer. Sont assez compliqués et... comment dire...
Ouais, c'est assez difficile à faire comme d'autres. Comparé à d'autres Total War, c'est très 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 compliqué à faire. Donc généralement, pour remplir les objectifs, bon. Faire la city. D'ailleurs j'ai demandé à mes alliés d'attaquer la city royale au city. Oh, putain les city royales sont en train de crever de. Par contre j'ai peur qu'ils je sais pas si les voyants ils ont une armée. Ils avaient une armée mais elle s'est fait décimer, je sais pas s'ils en ont fait une. Ça m'inquiète parce que s'ils reprennent du territoire. Un accord commercial. Ne donnerez-vous pas un peu d'or à mon peuple? Vous êtes en guerre contre qui, vous? Vous avez beaucoup et notre peuple ne veut pas devenir esclave de la jalousie. Ah, c'est eux. Bon, si vous voulez, ça me fait 3000, ça me fait rien. Je crois qu'ils sont en manque de pognon, c'est pour ça. Ils font du commerce avec personne de base. Que font les guétules? Allez, qu'on fasse ce tour et ensuite on se quitte là. Ils ont essayé de les attaquer? Ouais, ils ont essayé de les attaquer. Ils sont fait éliminer. Toutes les armées de Nori qui sont là-haut maintenant. Bon, c'est bon, on arrive à la fin. Je vais me taper des rébellions, c'est sûr et certain. Ah, j'ai la mort d'un... D'accord. Ah bah moins 20, ouais d'accord. Hop, on va prendre toi. Rang supérieur. Hop, on va prendre ça. Rapport de construction. À Ebora. J'ai dit à Ebora. Ah bah j'y suis déjà. Ok. C'est good. Rapport de construction. Ici, j'ai une enceinte sacrée. Donc... Ah bah je suis à plus 6 maintenant. Ça c'est cool. Donc on va faire... Je pense qu'on va faire un bois de toutatis pour le... Où on va faire... Allez, on va faire un bois de Toutatis. Parce que Toutatis c'est notre pote. Et ici, j'ai fait mon truc barbare. Donc là, ils sont tous contents. C'est la fête et tout. Moins 4 d'ordre public. Ouais, bah ça on peut le faire. Hop là. Alors, population scandalisée, rapport militaire, population motivée. Rapport naval, entourage grandi. Ok, cause naturelle, un général.
C'était les sangliers que sont à Marsilia. Et à Marsilia, ouais, ça remonte. Bah, c'est parce que j'ai ma... J'ai cette armée ici. Que de la cavalerie, quoi. C'est les enfants du roi, quoi. Toi, je vais te mettre comme ça. Même si ça sert à que dalle. Parce que j'ai tellement d'espions, là, que je sais plus quoi en faire. Peut-être que cette campagne, je la continuerai en... En... Voilà, en... Ouais, de mon côté, hors caméra. Pour voir où ça m'amènera. J'en ai des témoins. Oh, ça fait mal, ça. Tous les hommes doivent servir. Non, dommage, je comprends pas. Je suis allé empoisonner la fête. La mer renferme bien des secrets. Ah, ils ont tenté leur chance, ils se sont fait dégommer. Ah bah d'accord. Pour la tribu. Alors, qu'est-ce qu'il y a que je peux attaquer? Je peux attaquer jusqu'à où, là? En chemin. Ah mince. Laissons-le battre en retraite devant nous. Pour le lol, je voulais voir comment ça faisait. Allez, je vais faire en automatique parce qu'on va pas avoir le temps de la faire. C'est juste pour la fin, quoi. Et on va voir combien d'unités je vais perdre. Surtout que je vais perdre des unités en entier. Ouch, ça fait mal, ça. Une victoire très coûteuse pour ma part. Hein. Je vais perdre des unités. Ah, eh ben oui, j'ai perdu juste une unité de bretteur d'élite. C'est tout. Et je vais libérer... Soif de bataille. Ouais, les Daorsi sont de retour. Wouhou. Salut à vous les mecs, re-bienvenue dans le monde. Oh yeah. Mon ami, soyez le bienvenu. Les esprits en ce lieu nous sourient, les dieux. J'aurais bien voulu libérer d'autres peuplades, mais bon, c'est un peu la misère. Bon, bah je vais rester ici et me refaire, parce que ça a quand même morflé. Et bah nous on va se quitter là, voilà, j'espère que toute cette série vous a plu. On va se laisser sur une libération. Faction Immerge, les Daorsi. Bah voilà, j'espère que toute cette série vous a plu et vous qui avez regardé jusqu'au bout, j'en remercie. Bah c'est grâce à vous que bah, je continue cette à faire des vidéos et à jouer avec autant de plaisir. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez... Bon, ça n'a pas été trop long, même si je pense... C'est vraiment que ça a été très très long. Ça fait quand même un bout de temps que j'ai commencé cette... Ça fait plusieurs mois que j'ai commencé cette campagne. Voilà, moi j'ai adoré, j'ai pris du plaisir à la faire. Ça a été laborieux, très très laborieux. Mais voilà, j'ai quasiment rempli à peu près tous mes objectifs. J'ai foutu un peu le bordel un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, comme d'habitude, c'est toujours le même refrain. Et bah, on se retrouvera sur une prochaine série, sur sur Total War Rome 2, donc je sais quelle faction je vais jouer. Mais voilà, ça va pas venir tout de suite. Tout d'abord, je vais me concentrer sur ma série que j'avais mis en stand-by. Ça va être sur Empire Total War, donc avec les Espagnols. Donc pour ceux qui voulaient retrouver cette série, bah, elle arrive bientôt, vous inquiétez pas. Et pour les autres, bah, on se retrouve sur d'autres séries de ma chaîne. Donc voilà, je vous dis ciao tout le monde, bye bye.